général, le monsieur administration fiscale, mes anciens collaborateurs, a présenté un bail sous fiscalité. Ils ont toujours commencé par, depuis sous le Christ, depuis la Rome antique, la fiscalité d'exister. Je prends la parole du Christ, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, nous parlons commencer, mais même plutôt, surtout par rapport à tout ça que tu dis là, tu me dis plutôt, tout le monde veut gouverner, personne ne veut être citoyen. Où se trouve la cité? La cité. Où on est donc avec la cité? Puisque tout le monde veut gouverner, personne ne veut être citoyen. Alors, au-delà de ça, je dis là, nous toujours aimons aider ça. Et parce que finalement, nous parlons pas de ressources et de collecte de ressources et de capacité qu'on l'État gagne pour collecter ressources et qui j'en vais gagner. Donc, ça veut dire, au fait, s'il n'a pas créé suffisamment de richesses pour gagner ressources, en final, pas aucune ressource que nous avons. Et la prospérité de la nation dépend de la prospérité financière de chacun de nous. Ouais, c'est nous qui allons cotiser finalement. Alors, très rapidement, et continuant, c'est bon, je vais juste parler de budget, tu es comprenant à ce budget, c'est juste pour m'introduire l'aspect fiscal. Un bref historique sous fiscalité et développement, sous budget et développement, et présenter Kounien qui est un système là, et très rapidement parler de système fiscal non, qui problème les gains. Et utiliser dernière mesure fiscale que nous prenons dans la loi pour une fois analyse sous impact et fiscalité à gagner sous impact dernière mesure fiscale. Et très rapidement en termes de définition, bon, et directeur budget a été fait des bandes de définition. M'a juste fonti et on t'y ajouté donc bon, on nuance. La loi de finances est l'acte législatif par lequel le Parlement vote le budget de l'État. On nuance, c'est pas vrai. Elle autorise le pouvoir exécutif à percevoir l'impôt, à engager des dépenses publiques pendant une période déterminée et peut contenir des dispositions relatives aux finances publiques. Elle est la principale expression du consentement de l'impôt. Puis, bah, ouais, le budget est l'acte par lequel sont prévues autoriser les recettes et dépenses de l'État. On va appuyer ma comptable. Loi de finances, pas forcément budget. Le budget est un élément de la loi de finances. Son petite nuance qui peut être d'importance. Alors, et très rapidement, pour nous garder, l'impôt, définition, on ne peut pas le faire en cours fiscalité, c'est juste pour me faire un râler sous ça impôté. Avant, ça veut dire que l'impôt dans son temps était toujours existé. M. Remain dit ça depuis sous Matthieu, depuis sous le Christ. Mais c'était qui ça? Et il y a percevoir des dîmes, il y a percevoir n'importe qui j'ai été relé pour te construire château pour les grands seigneurs ou bien pour faire la guerre, pour le conquérir, pour faire plus de scope. Et elle a évolué pour venir en compensation de services rendus. Ça veut dire que bon, on vient prendre l'impôt, bon, c'est les moyens que l'État perçoit des moyens, c'est-à-dire la percevoir des taxes pour le rendre service public qu'il doit rendre. Mais l'impôt a évolué. Aujourd'hui, ce n'est pas juste fiscalité a pas servi juste pour faire pour prendre cob pour qu'on qui gens l'État va le dépenser. Et ça me remet dit et des fois l'on a regardé budget, on a l'impression que bon, comment est-ce qu'on fait autour? On a l'impression que nous besoin de dépenser 100 gouttes et puis on dit qui recette pour nous mettre qui pour bail comme nous gain 60 déjà nous connaît qui recette pour nous mettre cap bail 40 là pour faire 100. Des fois 40 ça, qui impact que le pral gagne demain, et puis très rapidement, on rend compte que li bay 40 première année, li bay 39 deuxième année, li bay 35 troisième année, li bay 28 quatrième année. Pendant ce temps, les dépenses fait 101, 102, 103, 104. Et c'est ça qui va créer gros déficit que nous gagnons. Impôt aujourd'hui, la fiscalité aujourd'hui, sont éléments essentiels de répartition des ressources, sont éléments essentiels de politique économique et sociale. On paye. De financière, la fiscalité de peu à peu vers une orientation économique et sociale tout en demeurant un élément de ressources. Elle devient l'instrument d'une politique de répartition des revenus,
d'incitation au développement, d'équilibre ou de pression sociale. Alors, je vais le faire avec nous un bref historique sur la politique fiscale en Haïti et qui impact le gain sur le pays. Je vais diviser en trois périodes. Je vais qu'on a divisé en 10 ou en 15, mais c'est parce que ces trois moments sont bien déterminés. Avant l'occupation, ça veut dire nous prenons de 1804, nous coupons, de 1804 à 1825. Qui ça qui était impôt? Ça veut dire que la majorité impôt, nous, c'était sous. Pratiquement, c'était des droits, c'était deux bails qui étaient impôts. C'était les revenus du domaine, ça veut dire les ressources du budget, c'était les revenus du domaine. Et c'est une bonne taxe à l'exportation, surtout à l'exportation, qui était gagné sous produits que nous avons exportés. Et je me toujours dit, ça veut dire qui ça? Qui ça qui a baillé toutes les ressources? C'était le sol et les ressources du sol. Donc, c'est un grain d'individu qui t'a taxé. Nous allons regarder le plus devant. Après l'occupation, pendant la période ça, nous allons diviser en deux périodes. 1825, pourquoi ça me campait la 1825? 1825, c'est la rançon de l'indépendance, comme son bail qui très. Qui je dis, ah, bon, c'est d'actualité, nous allons parler de lui après. Et c'est même bail qui ça offert, ça veut dire que nous prenons dette que nous n'avons pas responsable. Nous avons déjà un problème de ressources. Donc, nous fait que augmenter pression sous même champ d'emploi. Ça veut dire, il augmente pression sous domaine, sous revenu du domaine, yo, et il augmente pression sous produits qu'a exporté. Très peu de produits importés, c'était surtout sous produits qu'a exporté, sous bois de campagne, sous cacao, sous café. Donc, nous voyons très rapidement, suivez mon regard, qui a escapé. Après l'occupation, bon. Et pita nous allons tout qui s'appelle l'occupation, hein, vient gagner plus ou moins réforme fiscale. Et c'est là qu'on commence à avoir un problème tout. Réforme fiscale, côté que pour la fiscalité douanière sous exportation seulement, il peut baisser pour créer la place à un vrai système fiscal, côté qu'on y a, il peut taxer le revenu. Ça veut dire qu'on y a, il peut gagner des impôts sur le revenu, il peut gagner vraiment des gens qui peuvent taxer. Et droit de douane, il peut baisser. Ressources du domaine, il peut baisser tout. Mais c'est plus parce que il peut augmenter, il peut créer un véritable système fiscal. Et 1924, c'est le sort créé l'administration générale des contributions. Et il fait l'administration générale des douanes. Donc, ce n'est pas le secrétaire d'État commerce encore qui gagne douane en main et que toute taxe est sous revenu. Mais, autant que c'est vrai que le créer de l'autre ressource que qu'on y a taxé revenu, mais l'hypoco diminuer poids sous revenu du sol, pas baisser pour autant, c'est juste que ajouter d'autres sources. Alors, une petite parenthèse pour me dire, c'est que une bagarre occupation américaine a montré, puisque nous avons parlé d'allocation de ressources, c'est que quand ils arrivaient, pendant toute période ça, ils ont fait banque centrale, ils ont fait ministère, ils ont fait système et santé publique, ou ils ont fait pratiquement système génie civil, ils font paquet de bagailles. Et particulièrement, ils ont construit Port-au-Prince qui n'est pas ton ville avant. Et c'était pratiquement une bande de quartiers, tape du gros quartier, c'est les seuls construits. Mais attention, il n'y avait pas une goutte d'aide d'aucun côté. Pendant la période, ça, ils ont non seulement construit tout le bagage avec ressources panou, et ils ont continué à payer service dette là toujours avec ressources par nous. Ça veut dire que nous avons suffisamment de ressources si nous sommes capables pour nous faire ça nous-mêmes. C'est un problème d'allocation de ressources. Donc, ressources ont existé. Et nous arrivons en 1947, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était bon, estimé décider la payer dette là. Et ils font un effort local, tout le monde cotisait pour te coller, nous pas planter Borel. Et puis, ils payaient. Et j'arrive à 479, c'est la période des grandes réformes, et nous commençons à faire des réformes, nous avons changé le système fiscal, nous avons modernisé. Donc, le système fiscal, administration et politique fiscale laissée par les Américains, nous commençons à changer, et puis nous avons créé un système hybride au niveau administration, au niveau procédure, et un système hybride au niveau système. Tout. Ça veut dire que nous avons mélangé deux systèmes. Côté que nous allons moderniser, nous allons mettre TCA, qui sont taxes sur valeur ajoutée par rapport à droit d'assises et qui étaient plus faciles à gérer.
qui sont taxes très sophistiquées, TCA, qui c'est TVA. Donc, nous modernisons le système fiscal, là, mais nous pas forcément moderniser l'administration ni procédure. Donc, nous créons un système qui hybride et que nous avons une capacité pour nous gérer. Et nous vivons en 87. 87, pourquoi ça me prend 87? Ce n'est pas parce que le plus extraordinaire, parce que c'est parce que c'est 87 qui marquait pratiquement fin domination recettes douanières, donc recettes d'exportation yo, sous dans le système fiscal. Hein, puisque en 87, modernisation, nous avons libéralisation totale. Il y a baissé toute droite douane, donc c'est dans le palais d'Aléa, nous avons retourné sous lit. Toute droite douane sur tout produit baissé. L'idée étant que c'était la grande idée de l'économie sur c'est la politique de Friedman, qui était mon yon kobio pour acheter ça ou vle, assurer nous que nous avons tout ça ou vle à meilleur marché, nous ne pouvons pas pour protéger aucune production locale, parce que finalement c'est la population qui protège et protection production locale là. Donc, c'est prix, c'est consommation, quitter mon yon consommé, quitter kobio nan meyo, quitter l'État le fait travailler. Donc, c'était ça un peu la politique. Donc, voilà un peu. Maintenant, pour que ça me fait râler ça, c'est pour montrer un grain de bagaille. Parce que le fait que toute politique ça yo t'est lié et que t'es chita son même bagaille, le sol et les revenus du sol, les produits du sol, bon moment arrivé, moun sa qui a taxé tout le temps, li bouke. Et puis il quitte ça. Tant pour c'est pour ça la travail, il a abandonné. S'il a abandonné, qui ça le fait? Il descend la ville. Parce qu'il n'a pas taxé la ville. Non, il n'a pas taxé la ville. Il vient, il fait bidonville, il est là, et il cherche un côté, il font caille, donc il squatterise une série d'espaces. Il n'est plus producteur parce qu'il ne produit plus. Il devient côté un emmerdeur parce qu'il a grossi et. D'abord, phénomène où il y a un Port-au-Prince, là, squatterisation, bidonvillisation, gangsterisation. Mais qui impacte mauvaise politique fiscale que nous avons depuis le début, vient de bailler sur une période bien déterminée. Parce que nous décourager à travers la politique fiscale, nous, les gens qui produisent, puisque c'est sous dole seulement tout le système fiscal, là, donc au moment privé, ils juste à l'école et puis ils quittent nous faire affaire pour compte. Et comme l'administration n'a jamais eu les moyens de taxer les autres personnes, donc living évident. Alors, puisque nous ne pas parler de hier, directeur budget dit nous à peu près et système cadre légal pour fonds budget, m'a passé de ça, m'a retenu seulement que constitution ni doctrine n'en voulait que pas qu'à gagner impôt sans loi. C'est le principe fondamental et c'est le principe démocratique même. Ça veut dire que le nommé représentant nous, puisque c'est une contribution volontaire et obligatoire, antinomie. C'est une contribution volontaire et obligatoire. Qui ça? Ça veut dire nous tout de suite dans la salle là, et puis nous décidons par exemple, bon, et par contre nous parlons de fonds bail, et puis de fois chaque nec bail 10 goudes. Ou bien faut chaque net bail en fonction de sa gaine en poche. On fait nous d'accord sur ça, c'est pour nous bailler puis elle fait ça on va faire là. Donc nous décider nous d'accord, elle est volontaire parce que nous d'accord pour nous bailler, elle est obligatoire parce qu'on fait une grande décision nous bijé bailler. Maintenant, là on est dans la Grèce antique, la démocratie. C'est pas comme ça le fait, nous nommer des représentants. On fait représentant voter loi qui dit mais ça peut prendre. C'est que c'est nous qui acceptons. C'est comme si nous tous étions là. Et justement, c'est ça que nous pas fait, c'est que nous pensons que l'heure pour la taxe fiscale ou bien pour y a voté budget, nous pensons que c'est ministre avec parlementaire seulement qui en a fait. Ce n'est pas vrai. Chaque fois qu'on vote loi, c'est nous tous individuellement qui votons, parce que c'est nous tous individuellement qui va le payer. Donc, si vous avez des conséquences sur nous, sur vie nous, sur petite nous, sur avenir nous, sur business nous, c'est justement pour ça que les bijons ont dossier public, parce que nous avons intervenu pour nous dire que nous pas remènent et que n'est pas bon pour nous. Alors, moi mettre ça, c'est encore un autre débat, c'est que dans panoplie législation qui gagne pour budget, on a introduit en 2016
Parce que depuis quelque temps, nous prenons l'habitude de faire modification fiscale dans la loi de financement. Au lieu pour à l'intérieur d'une politique et que nous décidons, bon, mais qui côté nous voulons aller, chaque fois nous avons besoin de bagaille, nous fourrons dans la loi de financement, prétexte, le Parlement est paresseux, donc il n'y a pas de voter, plutôt nous fourrons dedans. Mais il arrive que la loi dit les modifications introduites dans les lois de finances par des dispositions de la loi de finances deviennent automatiquement caduques à la fin de l'exercice fiscal pour lequel elles étaient autorisées. L'exécutif soumet immédiatement au Parlement les projets de loi de modification de ces lois aux fins de leur vote et de confirmation des changements introduits à travers les lois de finances. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'au cas mettons bagage non loi de finances aujourd'hui, hein? M'payer. Et puis, l'année prochaine, il n'y a pas de loi de finances, il n'y a pas encore. C'est ça la loi a dit. Ah, bon, est-ce que l'administration peut le prendre légalement sous, puisque la loi a dit par une loi? Donc, ça, c'est un élément pour nous réfléchir sur lui. Alors, je vais péter ça de budget et les citoyens. Pour que ça me balise, il y a eu parlé de budget, hein? Vous vous dites qui ça dans le budget. Alors, le budget a son masse d'informations qui vient là-dedans en termes de détails. Mais le premier bagage pour nous connaître dans le budget, c'est l'élément essentiel. Qui ça qui derrière le budget? C'est quatre macroéconomiques là. C'est grande orientation, yo. C'est grande ligne à grande masse. On faut regarder quatre bagages ça, yo. C'est qu'on gagne en ouais orientation. Parce que ça qui intéresse au départ, c'est deux bagages. Ça veut dire faut ouais budget pour qu'on ait qui côté mieux la donne, qui ça m'a fait la donne, qui côté m'a le bail la donne, et puis qu'on y est, on parle dans le détail, on faut finir ça ou dire bon, on va le chercher côté pam là. Or, c'est l'élément ça qui peut remettre lié au budget. C'est le premier élément ça. Ça veut dire que dans le document, le ministre finance dans salaire et la présentation du budget, il dit ça. Il dit bon, et que on va le prévoir un taux de croissance, par exemple, budget ça, un taux de croissance de 0,33%. Très bien. Ouais, hier, le directeur budget a dit bon, c'est bien par rapport à ce que nous avons fait 3 années que nous n'avons pas de taux de croissance. Mais bon, l'autre lecture la donne, c'est que le taux de croissance de la population est de 1,8%. Donc, un taux de croissance de 0,3%, style négatif. Donc, ce n'est pas une croissance réelle. Okay. Maintenant, on faut finir garder l'hypothèse. C'est 4 macroéconomiques. Et là, c'est ça, économie sur relais, le carré magique. Taux de croissance, inflation, pression fiscale, déficit budgétaire. Ça veut dire, regardez un budget, et puis, vous pouvez regarder, qui taux de croissance vous mettez 0,3%. Ça veut dire que nous avons 0,3%, mais moins pauvre, mais pas 0,3% plus riche. Parce qu'en réalité, c'est 1,8 moins 1,5, ça veut dire 1,5% de 5 plus pauvre. Inflation, matin, que c'est Banque Centrale, que c'est ministère des Finances, on a parlé d'un taux de croissance de 25%, donc d'inflation de 25% et gonflé. Pression fiscale, bon, je ne vais pas prédire encore, vous parlez là plusieurs fois, on pression fiscale de 6%, et alors que moyenne, pipiti, Guatemala qui a 12 ans, il n'y a pas de moyenne et Amérique là, ça veut dire que c'est parce qu'il y a des autres, dans un goût, mais il y a comme ça. Mais nous, il est très loin de Bayern. Pipitian, c'est 18 liés. Donc, nous pas la donne du tout, nous à 6%. Et 6%, comprenez bien, nous sortis à 12% en 2011-2012, avec une projection pour en 2016, nous arrivons à 18%, mais je dis à 6%. Il faut nous comprendre ça qui a passé. Nous ne parlons pas de guerre. Pas aucun pays qui envahit nous, pas aucun pays qui a tiré sur nous. Nous pas Yémen, nous pas Sud-Soudan. Et le déficit budgétaire. Déficit budgétaire, et nous connaissons, nous ne pouvons pas parler de lui. Maintenant, pour faire budget, comme dit, l'offre de ça, vous pouvez lire, nous avons quitté dépensant, le directeur budget a été parlé de lui hier, mais nous pouvons parler de la stratégie des ressources. Ça veut dire que si tu vas regarder, quelle est la stratégie des dépenses, ça veut dire permettre moi qu'une orientation que vous avez, c'est ça que nous avons parlé hier. Est-ce que si on dit que nous avons besoin de désenclaver pays, est-ce que grand pile corps sous route?
Si on dit que nous besoin faire sécurité, est-ce que grand pile corps sous dépenses de sécurité, pas dépenses d'une institution mais dépenses de sécurité d'une manière générale. Si priorité on te dit c'est éducation, on va regarder qui dépense qui gagne et sous éducation. Donc c'est la stratégie des dépenses et jodi an plutôt on va parler de la stratégie des ressources. Donc qui côté on va prendre comme là. Qui ça et que système là. Alors, pas pour le faire en coup fiscalité quoi me dit nous. Très rapidement, le système fiscal, nous sommes ensemble dans tout notre système fiscal. Alors, pour ne pas garder, avant de dire ça, j'ai dit que ce n'est pas Clorox, mais c'est tout bon et blanche. Alors, il y a environ 30 ans de ça, et nous sommes dans le secrétariat SIAT qui s'organise et latino-américain sous administration fiscale. Et puis, nous avons discuté de réforme fiscale, de TVA. De bagaille. Dominique Ochitale a regardé après réunion. Comme si nous avons une délégation haïtienne presque extraterrestre nous pour nous ça. Regarde qui en est fort. Et puis, il y a 10 ans, moi-même participé dans 15 ans, participé dans le programme réforme fiscale République Dominicaine. L'homme a refait modifier la loi impôt sur revenu en 2005. Ce n'est pas la République dominicaine nombre, comme modèle. N'avance. Deuxième bas, écrivez jodi a, en République dominicaine, quel que soit koto yé sous planète là, ou ka fait déclaration fiscale ou ka payé impôt locatif. Quel que soit koto yé sous planète là. Donc, nous-mêmes, alors. Comme on dit une babla blanche, c'est babla blanche. L'homme est rentré dans la contribution, parce que même pas employé DGI. L'homme est rentré dans la contribution, n'importe qui monde. Ou bien quand on est créé au Cap, on a Port de Paix, on a Fort Liberté, on a Wanamet, on a Port-au-Prince, on a Delma, on a Pétionville. On débarque dans n'importe qui est dans le bureau, on paraît Fort Liberté, c'est juste le 31 mars, et puis on dit bon, on va payer un peu locatif, on m'appelle. Le système était manuel. Et tout le monde était joué par eux. Je dis, on est à l'ère de grandes technologies. Si je veux faire ça, je dis non. C'est pour prendre un avion pour aller à Port-au-Prince, pour aller payer par Port-au-Prince. Ou pour une machine de couteau fin pour Port-au-Prince, pour aller à Delma, pour aller payer par Delma. Ou pour l'autre avion pour aller à Fort Liberté. Donc nous comprenons pour qui ça, que le système nous a vu moins efficace, que nous avons passé de 12 à 6. Donc, un régime de droit commun. Qui c'est système normal là et gon régime privilégié. Régime privilégié, hein, nous pas parler de lycée, c'est parce que dans le bloc là, gain des régimes privilégiés qui permettent que yo faciliter et des investisseurs pour yo ka venir investir dans pays. Hein. Tout à l'heure m'a ban alors par matin m'a bail, m'a bail blague là, c'est que en 83 par exemple en termes d'incitation, nous c'est premier pays qui créer la résidence d'investissement. Dans zone, il n'y a pas vraiment appliqué. Je ne sais pas pourquoi les gens qui ont écrit là qu'on a écrit. Ils ont fini de faire la République dominicaine peut-être 15 ans après, Panama 17 ans après, en Dominique, tout a marché, sauf pas nous, parce que premièrement, nous ne connaissons pas. Je me suis saisi l'homme de ça. Alors, dans le régime de droit commun, il y a un impôt direct, un impôt indirect. Ça, c'est la présentation, si on veut, classique. Alors, comme toujours, il y a une discussion, oui, pourquoi le système noir, il y a plus un impôt indirect. Et puis dire que pied levé et qu'un point direct c'est parce que le système là pas bon. C'est même pas quoi que c'est ça qui vrai résultat. C'est taille économie là qui permet qu'on connaît est-ce que un point direct à un point direct quoi arriver. Sous son petit économie, c'est consommation qui gagne plus donc c'est un point direct que cap levé. Sous son économie gros nèg côté grand pile revenu grand pile richesse cap créer, c'est un point direct que cap levé. C'est aussi simple que ça, il pas lié ni à système là ni à administration fiscale là. Puisque nous sommes pays qui consomment, c'est simple, et le niveau d'importation que nous gagnons. Donc, c'est impôt sous chiffre d'affaires, sous consommation qui est élevé. Parce que ce n'est pas revenu qui est élevé, c'est consommation. Nous pas produit suffisamment, nous importer pour nous consommer. Donc, c'est un commerce lié. Maintenant, nous revenu privilégié, on va parler de lui, c'est code des investissements, zone franche et société financière de développement qui aide aux finances. Alors, au lieu pour me faire classification, discussion, impôt indirect et impôt indirect, et bon, ce n'est pas de la publicité parce que nous recevons Ali. Ça, c'est le deuxième livre que je fais. Hein. Lui, justement, c'était
pour permettre que un monde qui pas fiscaliste ça qui intéresse c'est pas tout bas impôt direct impôt indirect impôt direct veut dire c'est qui fait analyse qui fait fiscalité qui besoin de coût fiscal ça qui intéresse c'est si me besoin d'ouvrir un business qui ça me peut faire donc c'est impôt droit et taxes dû par les entreprises du fait de leur existence depuis moi le créer une entreprise mais qui impôt gain pour payer c'est des impôts et droits et taxes que moi le budget payer parce que l'entreprise me gain des biens. Donc, mais qui impôt le payer, contribution foncière des propriétés bâties. Alors, je vais juste faire un petit chita sur contribution des foncières des propriétés bâties, puisque c'est là. Nous gagnons en pile appréhension par rapport au fait que majorité assistance que vous avez mérité, chita sur contribution foncière des propriétés bâties. Mérité, vous ne pouvez jamais évoluer tant que vous connaissez que c'est là qu'on a fait comme. Premièrement, c'est que sa taxe en lui-même, Jean Lié Jodien, son taxe destructrice. Parce que les sous rente, les sous valeur que me loue Kaila ou valeur que me caloue Kaila, que m'habite là-dedans, que m'habite là-dedans. Ok. Ma pour exemple, si mon Kaila, n'a pas exemple qui est arrivé après tremblement de terre, on ban ONG débarqué. Bon ben là c'est pour fois pas gain piscine la caillou yo décidé c'est caill piscine pour louer donc yo fait surenchère sur valeur réelle rente caill là caill là té kon louer $800 dit n'a pas 5000 pour lui parce que vous voulez donc automatiquement pour mes rien puisque parti pas des monde qui va passer ça toute caill dans zone là parce que le pas ca défini qui valeur locative caill là li défini par rapport à même caill là qui loue dans zone là. Donc si il y a 3 cailles dans zone là qui loue $5000, tout reste caille assemblé, tout $25000 automatiquement, il y a pas 800 encore. Alors que il y a pas vaut ça. OK. Ça c'est le premier problème là. Deuxième problème qui fait que mairie paresseux avec système ça, si me fin construire caille et que $800 d'autant que torrent t'est déjà élevé parce que c'est ton toit à partir de 10000 gouttes et à partir de 60000 gouttes, c'était 18%. 18% ça veut dire que l'on prend taxe à soi payer normalement, il fait que vous payez beaucoup plus que mortgage quoi payer banque quand vous prêtez comme là. Parce que même sous louer, 18% représente pratiquement 3 mois et demi de loyer. Sous tes loués quand là. Donc c'est une incitation à la fraude. Troisième problème li présenté, c'est que li pas fait mais rien faut qu'un effort pour préserver valeur économique bien ça qui sous territoire là. Puisque c'est souvent lié les prendre si li met carrément $5000 deux mois après gain trois bidonvilles qui a construit des dans deux marchés devant ça pas intéressé l'a quitté le fait parce que l'a toujours prend $5000 dans même mais si c'était sous valeur vénale s'il quitte bon bidonville plus deux marchés il perd du cobla parce que carrément valeur carrément baissé donc il t'a interdit le fait. Donc, au fait, tant qu'on ne peut pas arriver à un système de contribution foncière de propriété bâtie, d'ailleurs, ce n'est plus un impôt locatif, j'en dirais en avant, c'est une contribution foncière de propriété bâtie qui passe sur la valeur vénale et faut que les propriétés bâties et non bâties, ou pour avoir un problème à la commune. Parce que c'est uniquement soumettre sous bâti et non bâti, ou bien deux avantages qu'on peut avoir. Un, premièrement, c'est que c'est la valeur économique de la région. Ça veut dire que mal dans telle mairie, on connaît que les gagnants 12 000 cailles. Et que gain caille de classe 1 de 0 à $100000 vaut gain caille de classe 2 gain caille de classe 4 gain caille de classe 5 donc on connaît que tel quartier c'est 1 2 3 4 5 bon zonage qu'a fait automatiquement et mais rien la préserver zonage là parce que s'il quitte zonage à chapé dans la paix du cop donc le pral ba autorisation pour construire la veiller à ce que le paix du cop ça c'est premier bagage. Deuxième bagage, on faut faire ça gain moins possibilité pour fraude parce que qu'elle a déclaré très facilement ou pral faire. Troisième bail arrivé c'est que c'est sous propriété non bâtie ou pral vraiment c'est un élément de base pour résoudre problème toute la journée gain discussion sur foncier. Puisque en général dans système ça yo direction qui occupe le de faire évaluation yo parce que faut qu'on direction comme ça qui fait évaluation pour l'état même si ou bail faire le privé c'est lui à la fois direction générale et lui servir de cadastre. Donc très facilement sous impliquant un impôt comme ça, en 25 ans, tu auras un bon cadastre. Rien qu'en appliquant la loi. Donc, il faut parler en termes de réforme fiscale, nous tous sauter sous lit, qui fait. Alors,
ou après gagner de l'autre taxe d'étalonnage, bon, pas mal rentrer sur eux après. Alors, qui s'allie? C'est une taxe communale. C'est une taxe qui fait que tout le monde qui gagne balance, qui gagne poids, qui gagne mesure, cap van, et tout le monde qui gagne camion citerne, donc qui a van à partir de poids et mesure, je suppose inscrit dans la mairie, dit qui ça a gagné et paye une taxe. Si je prends essentiellement camion citerne, ni pas seulement, premièrement, c'est que taxe là depuis Mbaronin, depuis il fait contribution, donc il gagne 50 ans et pique. Et sous montant ça, qui s'accrivait, c'est que li taxe là, dirait à même valeur, 10 centimes, 30 centimes. Donc, il n'y a pas intéressé à li. Alors que, au-delà de la valeur de ça, comme je la donne, puisque il y a un paquet de camions citernes, qui a un camion, qui a un cap vendre de l'eau de compagnie. Donc, c'est ça où tu as parlé matin, au prend de l'eau, on ne peut pas connaître. Deuxièmement, son élément de planification. Si il y a 150 camions citernes de 5000 gallons de l'eau qui sont enregistrés dans Mérian, son monde paraît pour une raison indéterminée. Il dit, ma foi, qu'il y a un camion citernes, non, pas besoin pour ça, Mérian a besoin. Il y a 100 camions 40 citernes. Donc, au cas besoin, il a mobilisé, il a pratiquement fait appel à camion citernes parce qu'il y a de l'eau. Donc, il a besoin de l'autre bagage que le bagage. Donc, non seulement il a baissé taxes, mais c'est aussi un élément de planification pour connaître qui ça gagne là-dedans. C'est des taxes qui ne sont pas occupées du tout. Quoi taxe véhicule, bon, et alors que c'est supposé immatriculer dans Mérian, personne ne peut occuper. Là, c'est l'entreprise collecteur d'impôts. Donc, c'est qui type d'impôt qui a gagné? Parce que la loi fait obligation pour un collecteur d'impôts. TCA, par exemple, qui sont taxes sur valeur ajoutée, c'est différence qui gagne avec droit d'assise. C'est qu'en réalité, ou même qui gagne TCA pour faire déclaration dans le DGI, ce n'est pas au payer TCA. Ou sont collecteurs d'impôts. C'est moun, c'est dernier consommateur avec PTCA et c'est ça qui est changer le système de droit d'assise en système de TVA qui sont taxes sur valeur ajoutée, c'est joindre ça relait la neutralité de l'impôt. Li pas un élément de prix de revient, ça veut dire que le m'apprend si m'a vendre bouteille de l'eau, me produit ou bien m'acheter, l'importer pour $100 et que droit de douane me paye $10 sur lui, ça veut dire $10. Le me faire prime, me pas faire prix à partir de $100. De $110. Prix c'est après maintenant encore prix sous $100. Donc ça veut dire moi le dit les revenus me sif à la douane pour $100. Mettez 20% sous lui donc moi le vendre $120. M'a pas ajouté 10% TCA. Donc ça veut dire c'est 10% sous 120 cap bail $12. M'a prend $10 pas m'en bail l'état $2 parce que m'étais avancé le $10 déjà. Jusqu'à ce que je arrive dans le processus final là et dernier monde n'a pas payé reste comme là. Donc c'est ça qui fait que le neutre dit contrairement à taxe générale sur les ventes qui aux États-Unis par exemple, qui sont taxes en cascade. À chaque étape qu'on percevoir dans taxe sur les ventes là, ils ont intégré taxe ça dans prix de revient. Tandis que TCA taxe ça pas jamais intégré dans prix de revient. C'est pour ça c'est TVA en fait, nous pas qu'on TCA, nous avons TVA mais avec un certain nombre de variantes et donc c'est collecteur d'impôts que nous y est ou pas supporter impôt. Même gens et pour impôt sur revenu sur salaire, c'est collecter sur monde qui travaille avec nous, c'est pas nous qui supporter. Ensuite, ou gon bande de l'autre impôt, taxe sur masse salariale, alors on font rester sur les tout, c'est une aberration. Une aberration totale. Un pays qui besoin créer emploi et puis gon taxe sur masse salariale. Alors que on patron déjà leur entreprise ou gain moitié ona qui devenu qu'on y a c'est pratiquement 6% lié parce que c'était en cascade bon cascade ça a fini depuis temps même bon puisque c'est valeur 64 ou gain ou Fatma c'est sous compte boulier et puis qu'on y a on taxe sur ma salariale donc résultat n'importe qui monde qui gain business soit réfléchi ou a dit faut pas créer un pile emploi parce que m'a payé trop mais ça pire. Ça qui est bête là-dedans. Supposons que nous décidons de mécaniser l'entreprise. Je n'ai pas besoin de monde, ma première machine. J'ai 5 ou 6 personnes. L'État va mettre une comme machine. Oui. Amortissement, c'est que ça l'est. Sous amortissement, c'est que le remettre ou lui. Puisque le déduit dans le revenu. Donc, il va mettre une comme machine, mais il prend une taxe sur ma salariale. Son aberration.
Donc, mais c'est débat comme ça pour nous quitter. Parce que ce sont des taxes qui sont créées dans des conditions très particulières. Et bon, dès là, elle a créé, pour ne pas que ça le fait. Puisque avant, c'est une taxe d'apprentissage qui t'est servi pour financer essentiellement les écoles de formation professionnelle. Yo vin virer la taxe d'État, donc qui allait directement dans la caisse. Mais c'était un bagage qui était fait pour 6 mois, pour une conjoncture bien déterminée, et puis depuis, l'irrité. Mais l'irrité pour ça, l'irrité parce que jusqu'à aujourd'hui, aucune association privée, aucun patron va en plein boulot. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça, hein? Ça veut dire que je vais occuper eux, puis je ne vais pas payer. C'est la traduction correcte. Ça veut dire que c'est comme, parce que je ne vais pas payer qui fait peine. Et l'administration fiscale là, il faut me faire comme ça. Il compte ça. Il compte ça. C'est pour ça que l'élève le monte carrément go. Tout ton pas plein, elle pas senti c'est tout bon plainte lancé ou tout fait, il pas pour tirer. Parce que le gars avantage ça, il gain pouvoir ça. Il décide que le bon joindre information à droite à gauche qui montre que taxe salariale le pas ça. Moi accuser ça et puis monter taxe salariale et puis qu'on y va descendre. Mais pas oublier son chaîne lié. Si m'augmenter une, m'a prendre dans toute. Et c'est ça qui arrive assez souvent, l'on est pour une vérification, et puis il dit, nèg de GISAO, c'est méchant, il y a une fan quoi, côté nèg la vle, m'a un million de dollars. Mais au fait, ou bah m'a une information qui vaut plus qu'un million de dollars. Maintenant, quelle politique fiscale pour quelle politique? Quelle fiscalité pour quelle politique? Très souvent, il y a des amis qui me disent, je ne sais pas, coup de main, non. Un coup de main sous fiscalité, non, font politique fiscale. Chaque fois que je dis ça, je me garde, je me dis, ouais, nous mêlons. La politique fiscale en elle-même n'est qu'un intrant. C'est gouvernance, politique globale, politique économique et politique fiscale là pour aider la politique économique. On ne peut pas définir une politique fiscale comme si nous avons son continent à part entière et puis nous avons puisque mesure pour prendre fiscalité, nous avons détruit l'économie. Donc, pour me faire politique, pour me définir, ou bien ça ou le design une politique fiscale pour vous, faut que vous voyez qui vous voulez aller, qui politique économique. Donc, c'est qui vous voulez, et ça c'est directement ta gouvernance. Quoi dire? Ça veut dire que si je regarde et je dis que vous augmentez les taxes sur ma salariale, vous dites que son gouvernement veut créer un emploi, je dis non, ce n'est pas vrai. Vous mettez à côté n'importe qui, ça m'a dit que ce n'est pas vrai, parce que raison preuve que vous ne voulez pas connecter là, c'est taxe. Donc, sous ce grand emploi que vous voulez créer, je dis ou pas un droit en taxe comme ça. Donc, si vous me demandez pour me faire là, alors que je ne voulais pas aller, je ne peux pas faire pour vous. Donc, mais nous ne parlons pas de ça rapidement, mais avant, on fait une petite analyse, pas analyse non, mais on t'y parle. Sous le budget, au fait, hier, le directeur budget a dit nous ça, Len Gadel, 120 milliards. Et ressources totales de 54, ouais, c'est pratiquement 89 milliards aux 7 douanes, 26 milliards aux 7 douanes, 89 millions, c'est-à-dire 90 millions aux 7 DGI, autres sources domestiques qui c'est pratiquement entreprises publiques, 9 milliards. Donc, mais à peu près, ça gagne. Maintenant, nous parlons de qui ça, qui DL. Nous prenons financement, ce n'est pas tellement ça que nous avons fait. C'est nous parlons de mesures fiscales. Mesures fiscales que vous faites prendre, qui impact juridique, qui impact fiscal et qui impact économique. Mes mesures. Droit d'assise supplémentaire sur les véhicules, 15% sur les véhicules achetés en Haïti. Est-ce que nous comprenons? Qui ça veut dire? Est-ce que vous avez l'académie qui ça veut dire? Soit vendre une machine que vous avez, soit vendre une pour l'administration accepter. Fait transfert pour vous, faut acheter là 15% supplémentaire. Parce que c'est acheté en Haïti, il dit. Ah, personne ne parle de ça. Ce n'est pas dit sur les véhicules, parce que Haïti n'a pas fait machine. Ah, ok. D'accord. Vous n'y en comprenez. Haïti n'a pas fait machine. Haïti importe machine. Parce que l'écrit après ça, 15% sur les véhicules importés. L'écrit tous deux. Non. Non. Même à gars là. Droit d'assise sur tabac et ses dérivés, 60% en valeur en douane, 25% sur le prix ex-usine des produits locaux.
Au fait, droit d'assise, c'est me dire droit d'assise, c'est essentiellement sur produits importés et sur les prix ex-usine. Ça veut dire que c'est dans deux niveaux de prix revient que lié. Qui prix avant de sortir dans l'usine, dans qui prix, c'est pas le prix de commercialisation et avant de quitter douane, qui prix lié. C'est sous lieu appliqué. Bon, et c'est peut-être pour empêcher les fumer. Bon, je ne pas fumer encore, je ne pas blessé, je ne pas me plaindre pour ça. Mais, on y a un peu regarder côté le bal blessé. 35% sur les produits importés, là nous avons boisson alcoolisée. 25% sur les prix ex-usine des produits locaux. Bon, pour ne pas créer un peu en cours, on annonce nous que nous allons payer pratiquement 15% plus cher. Parce que c'est 6%, qu'on y a le 25%, ça veut dire 19% plus cher. Et en termes de le ajouter la prière, peut-être la bino 10%. Et maintenant, pour ne pas du vin importé, vous connaissez qu'on y a pas 20% encore, c'est 35% la pied. Et droit d'assise sur les boissons énergisantes, messieurs, font effort pour ne pas boire encore. 30% valeur en douane, 15% sur les prix ex-usine des produits locaux. Et autre mesure fiscale, 50% farine et céréales, je suppose que tout le monde est content. 50% sur les pâtes alimentaires, 50% tomates et autres produits dérivés, 40% sauce et autres condiments de même nature, 50% sur les produits à base de céréales obtenus par soufflage, donc suspendre, faites si vous mangez cornflakes, 30% sur les jus de fruits, 10% sur les dentifrices. Et bien, on a pris par un pas sérieux. Maintenant, sous régime privilégié, hein, régime privilégié, c'est régime, son régime incitatif à attirer un investisseur locaux et à attirer investissement sous investissement direct étranger. Donc, puisque le régime doit comme un contingent sauvage, donc pour attirer les investisseurs sur une période de temps, il était un régime incitatif. Mais voilà ce qui arrive. Par exemple, ta sous ma salariale que pas déjà me supprimer. Régime incitatif fait que sous un nouvel investissement sous 15 ans, ou t'es carrément suppression de taxe sur ma salariale. Supprimé. Exonération graduelle de 5 ans à l'ISR, supprimé. Alors, c'est pour m'expliquer qui ça. C'est que l'autre gain des avantages fiscaux, il dit ça peut aller de 0, de 1 à 15 ans. Et après les 15 ans, pour pas sauter dans 15 ans et puis brusquement retourner dans le régime de droit commun, il y a un bon système graduel qui permet que vous commencez à prendre payer impôt sur revenu jusqu'à ce que pendant 5 ans, vous payez. Supprimé. Donc, ça veut dire que vous avez si vous avez 5 ans, c'est si vous sautez dans 5 ans et vous rentrez dans le régime droit commun à 100%. Limitation de l'accès au régime privilégié dans le cadre de réinvestissement. C'était une possibilité, ça veut dire que Andy m'a fait un projet, et bon, Lionel qui l'a, c'est en train dans l'hôtel, puisque en pile et investissement touristique. Ou gain droit décider ou à construire l'hôtel et ou graduer investissement. Donc, au lieu pour prendre d'un coup ou prendre tout, donc ou accepter pour prendre 7 ans pour mettre l'hôtel là, le temps pour conformer ou pour qu'ils en baillent en forme, et puis après ça, on m'en donne 5 ans. Fini. Prendre tout d'un coup, c'est 5 ans à bas ou prendre parce que pas de sous-réinvestissement. Ça aurait les réinvestissements qui s'est réinvesti dans l'hôtel là encore ou bien ou étapel. Période. Limitation à 5 ans des exemptions de droits de douane pour les matières premières pour l'industrie nationale. C'est que tu as gagné pour l'industrie nationale, puisque c'est lui qui moins bail. Alors, très rapidement, tu comprends, c'est que tu gagnes deux. Au niveau de l'industrie, tu as l'industrie d'exportation, qui c'est essentiellement sous-traitance pour l'exportation, donc c'est matières premières et importées. Donc, pour sous-traitance, il n'y a pas un problème. Par contre, pour l'industrie et nationale, matières premières, il y a 5 ans alors qu'il était sous 20 ans et avant. Bon, nous allons regarder après. Maintenant, qui est l'impact? Premièrement, on apprend l'impact juridique et administratif. Premier impact juridique, c'est que on prend par exemple mesures et incitatives. Toute convention gagne ça aurait on article de stabilisation fiscale. Qui veut dire qui ça? Sous bon 15 ans,
régime privilégié, l'État n'a pas qu'à retirer la donne, il n'a pas qu'à retourner sous lui. Si bon, l'autre entreprise qui même j'avais, il y a 20 ans et que c'est loi qui permet de libérer, c'est pour le 5 ans supplémentaire là, mais s'il décide de mettre sous 5 ans, il n'a pas qu'à retirer 15 ans par an. Ça veut dire qui ça? Avant loi sorti, moi j'ai fait même entreprise avant. On dit nous chaque pour une boulangerie, pas vrai? Puis moi j'ai fait 15 ans pour boulangerie pas là. Mais après investi 50 millions de dollars ou bien 100 millions de dollars, comme c'est des gros chiffres nous même, sauf Titanic. Et puis ou même ou pas investi 250. M'a créé 1000 emplois après 2000 emplois. On se met en avant, moi j'ai 15 ans, 2 semaines après tout investissement il y a bon 5. C'est ça comme résultat. Parce que il y a pas qu'à appliquer le sous-moi, mais il pas l'appliquer sous vous parce que li pas concerné par lui ou même concerné par lui parce que loi sorti avant au Bopol. Ça c'est l'un des à la fois administratif et juridique. Ça veut dire que administration fiscale là pral vle pour retourager alors que le pas capable. Donc on va le comprendre facile. Et d'un point de vue purement juridique, c'est que il crée pour les problèmes ça. Qu'il y a qui impact fiscal. Bon, mais supposer que il y a une étude qui fait. Bon, moi, je ne vais pas l'avancer parce que je ne vais pas faire une étude sur ça. Et je ne vais pas payer pour ça, donc je ne vais pas faire une étude sur ça. Et mais je vais faire des, je vais soulever des hypothèses par rapport à des données. Si je prends au niveau de droit de douane, par exemple. Nous te garder qui ça te gagne au niveau de franchise. Là, tout le monde après les il faut que mes franchises élevées. Mais tout le monde compte franchises élevées. Les franchises industrielles ne représentaient que 0,5% des franchises. Franchises qui étaient plus élevées, c'est franchises ONG. Après franchises ONG, c'est franchises mission diplomatique avec institutions internationales. Et après ça, c'est franchises d'église et compagnie. Les franchises industrielles, d'une manière générale, ne représentent que 0,5%. Seule franchise qui est élevée dans franchise industrielle, c'est les franchises de la sous-traitance, et c'est normal, parce que sous-traitance, c'est essentiellement de matières premières qu'on va recevoir et qu'on va réexporter. Donc, on n'a pas de matières premières qui rentrent, puisqu'elles vivent de ça. Après ça, pour la franchise, par exemple, franchise touristique, 0,1%. Donc, au fait, ce n'est pas franchise, ça a eu qui problème, non. C'est les franchises. Administration publique, là, avec 21%. Bon, là, c'est notre affaire. On a parlé de ça, Pita. Impact économique. Maintenant, qui est impact économique? S'il n'a pas gagné des impacts fiscaux réels, par contre, il a gagné des impacts économiques sérieux. Je vais prendre deux exemples. Nous sommes pour exemple qui était là. L'impact économique, c'est que, automatiquement, sauf si vraiment, comme si nous son d'amour pour faire bah, là, puis, ou bon corps clair que tu vas le faire, ta décision d'investir avant cette loi, ou à réfléchir en pile avant de prendre. Ou à réfléchir parce que son concurrence déloyale vis-à-vis de Nexa qui a côté qui fait gain. Et en plus, toute ta planification avait été faite sur cette base-là. Loi déposé, loi fait business plan là. Business plan est fait sur le fait qu'on a 10 ans ou qu'on a 15 ans. Donc, automatiquement, toutes les données ont changé. Il faut refaire business plan, non? Faut aller, parce que toutes sortes de météo pas valable encore. Donc, décision investissement qui a changé. Maintenant, si par hasard, vous avez investi sur l'étranger avant, ce n'est pas qu'à changer. La priorité carrément. Pour que ça le voit, ah, République bananière, demain matin, vous avez retiré tout le même, demain matin, vous avez investi. Parce que si du jour au lendemain, on peut changer, il va finir confortable. Ça, c'est l'impact. Maintenant, pour les autres choses, ça veut dire que d'un matin, pour me passer d'un taux de taxation à un taux de taxation X, il pose un problème de planification. Alors, il pose deux problèmes, économiques et fiscaux. Problème là, c'est que on dit que je paye 15% peut-être plus cher, produit à 15% ou bien 10% plus cher. En théorie, théorie, hein, côté en côté, parce qu'on a continué à être clair incorrect. En théorie, les cas supposés que revenus sont différents. Ça veut dire que je vends moins. Donc, je gagne moins de revenus. Hein?
Donc, pendant cette période coûte ça, l'État a bien plus de revenus fiscaux. Mais l'année prochaine, il a bien moins d'impôts sur le revenu. Quand il y a un différentiel entre salaire et salaire et salaire après, qui gagne dans l'affaire? C'est ça qui vous calcule là. Ça veut dire, est-ce que différentiel financier, ça aujourd'hui, en ajoutant l'inflation, bien sûr, parce que c'est un financement à l'État, par rapport à l'impôt sur revenu que je vais payer l'année prochaine et qui va plus bas parce que ma revenu a diminué, hein, est-ce que ça vaut la peine? C'est niveau calcul ça. Ça veut dire que tant du côté de monde qui va subir lieu que du côté de l'État, c'est calcul ça que supposé faire pour qu'on ait est-ce que mesure appropriée ou pas. Lors de mesure pas appropriée, bon, je comprends, si moi qui a subi, il n'est pas approprié. Maintenant, il faut que vous de côté prouvez que d'une manière générale, à long terme, la mesure est appropriée. Elle ne peut pas être appropriée à court terme. Il n'y a pas qu'à une mesure qui est juste faite pour couvrir une opération arithmétique parce que ça permet d'avoir. C'est comme si nous avons dit, vous pouvez prêter un compte à la banque et puis l'officier de crédit vous a dit, je ne vais pas vous prêter un là, non? Vous dites, monsieur, pas un problème. Je ne vais pas venir mettre le souli. Mais, ça veut dire qu'on met des prix quand même. Pas forcément après qu'on a venu sous pas de ça. Donc, il faut garder qui s'allie. Et je crois que c'est ça qui est analyse, en termes d'analyse d'impact, autre que les besoins administratifs, et qui ça qui gagne pour faire sous bah, ça. Maintenant, pourquoi ça gagne tout le problème ça? 6% de pression fiscale et deux bagailles. Un, livré que, comme je dis, on ne peut pas avoir une politique fiscale qui n'a pas gagné, qui n'a pas soutenu nos politiques économiques. Son problème de gouvernance au départ. Qui côté ne voulait aller, pour qui ça ne voulait aller? C'est quoi, comme si nous n'est pas dans l'élection, on dit, comme si nous quittons passé, maintenant nous allons la lune, sur la lune. Bon, c'est très beau d'aller sur la lune. Mais, pour qui ça pour aller sur la lune? Qui ça porter pour nous? Ça, c'est la première chose. L'homme fin d'accord avoir semblé sortir, c'est vrai. Qui est-ce qui a payé pour, quand on parle de revenu pour aller sur la lune, qui est-ce qui a payé pour aller sur la lune? Et qui ça lui va coûter pour me voir sur la lune? Donc, gros analyse qui vous faites sur ça. Le système fiscal noir est pratiquement sclérosé parce que li lié essentiellement à on fait plus, c'est pour faire budget en fait. C'est plus un système de taxation, c'est plus une politique de taxation. Beaucoup plus qu'une politique fiscale bien établie. Donc, il faut qu'une chita pour établir une politique fiscale réelle qui dit, mais pour qui ça n'a fait ça, mais qui taxe n'a pas éliminé, mais qui taxe n'a pas qu'un B, mais pour qui ça n'a pas qu'un B, mais qui type d'impôt que n'a pas qu'un B. Pour exemple qui est très simple, ça veut dire que l'État fait peut-être moins mal si, au lieu de mettre un droit d'assise sur l'alcool, il a fait deux TCA. Un TCA normal, et on TCA exceptionnel sous produits alcoolisés. Parce que leur fait ça, ce n'est pas le producteur à lui-même qui va le sentir ça. Il ne va pas baisser l'emploi, c'est un consommateur. Donc c'est un choix qu'on a mis pour m'acheter le comme ça. Mais là, vous mettez déjà le producteur dans une situation pour la réfléchir qui ça va le faire. Tandis que soumettre un TCA. Donc, au fait, c'est qui système fiscal va mettre en place. Il faut moderniser le système fiscal. Nous avons un système fiscal dans une zone qui est un système fiscal plus moderne, plus sophistiqué. Et puis, nous retrouvons avec un système rachitique et côté nous n'avons pas aucune réflexion sur lui. De temps en temps, nous prenons les lois de financiers, nous mettons un paquet de taux là-dedans et puis après ça, l'année prochaine, nous changeons. Bref, son montée descend ou pas ouais une réflexion globale qui dit. Mais le map dit nous que la République dominicaine a fait réforme lien, il a fait rentrer des experts. Il y a très peu de Dominicains là-dedans. Effectivement. Et c'était des nègres Chili, en Espagne, France. Nous faisons analyse dans le système fiscal. Nous remontons tout le système fiscal en net. Et puis, nous avons voté une loi qui dit comment ça s'applique dans 10 ans. Et nous commençons à appliquer. Et son système, ça marche aujourd'hui. Il y a plusieurs niveaux de TCA et il y a des revenus. Et ce n'est pas seulement l'économie à croître, mais effectivement tout le budget à croître. Pour après dépenses, il y a ce qui a dit que c'est deux coups de tête depuis au niveau santé publique.
et faire ratio pour le système de santé publique dominicaine, non, après la différence, elle existe. Elle est là. Donc, il faut refaire le système fiscal. Il faut repenser le système fiscal, c'est-à-dire, mais repenser et dans sa globalité. Parce que le meilleur système, s'il n'est pas appliqué pour une administration efficiente, on ne va pas avoir aucun côté. Et le map parlé, par exemple, dit il faut d'abord généraliser la TCA et ensuite arriver à une TVA, à une vraie TVA, parce que nous avons moitié TVA, nous avons 70 à 80% TVA, nous pas totalement TVA, mais il faut arriver en TVA et généraliser TCA. Mais, il demande qui ça? Il demande que l'administration pour l'appliquer là, capable justement, elle pour faire des vérifications, calculer des coûts analytiques, parce que qu'on y a là, équipement pour rentrer dans le coût de revient et pour le remboursable. Donc ça demande un niveau de sophistication en plus. Il faut refaire un impôt sur revenu, parce que loi sur un impôt sur revenu en janvier là, il y a des fois, bon, et il semble qu'il y a des taxes, comme si nous avons taxes sur salaire. Il y a une bonne bagarre là-dedans qui n'est pas dit, mais qu'à n'importe quel moment, il y a appliqué sur lui. Il n'y a pas dit, parce que nous prenons la loi, partie qui est plus simple dans la loi, mais en réalité, pas oublier, nous copions la loi, parce qu'au fait, c'est une copie de la loi française, c'est même copie, il y a des fois pour les mêmes articles, il y a écrit les mêmes gens. Mais on dit que la loi française a gagné peut-être, il y a un article principal là, il y a 30 alinéas d'elle qui baillent interprétation, hein? Plus il y a 15 mémorandums. Nous disons, nous ne pouvons pas mettre tout ça pour nous, nous ne pouvons pas mettre le premier article là, seulement dans l'application dans le reste là. Ce qui fait que l'agent fiscal qui est en face de toi, si monsieur a lu la loi, monsieur a appliqué tout sous, ou pas qu'à dire rien, parce que c'est la loi globale, et puis il y a une sortie qui a fait. Donc, au fait, il crée trop ouverture pour que ces agents qui ont interprété devant vous. Faut système non, parce que un bon système fiscal, faut économiquement rentable, faut qu'il financièrement rentable, mais faut qu'il transparent. Ça veut dire que forme qu'on est, ça crée les formes qu'on est pour que ça m'a payé. Il faut que depuis le garder loi, nous qu'on qui ça m'a payé. C'est pas au-delà du service que l'État rend, mais forme qu'on est ou dit c'est pour payer tel montant, les clés pour moi qu'effectivement c'est montant ça que me doit. Je pas qu'à décider, c'est n'est qui en face moi qui dit c'est comme ça pour payer et puis après l'homme vient dans le monde qui dit non mon cher pas ça pour te payer mais qui j'en bats là et pas qui est pour quoi. Donc faut que système là transparent. Donc il faut que n'arrive un système qui est effectivement transparent, qui est un système qui est efficace. Et un système qui est économiquement rentable. Économiquement rentable, mais si c'est sous lui, ce n'est pas seulement parce que faut qu'il y ait plus de revenus à Nessa, il faut lui permettre, parce que l'État est un business, il faut lui permettre que il y ait plus de richesses qui sont créées dans l'économie, de manière à ce que plus de monde prenne la taxe. Si le système n'a pas permettre que plus de richesses créées dans le balan, la possibilité rachitique, ça veut dire qu'il y a un système côté qu'il y a toute l'économie informelle. En fait, sans relais informel, chaque fois, je demande pour qui ça l'informel. Parce que trois cas, on nous dit qu'informel, il y a une patente, il y a un microcrédit, il n'y a pas qu'informel encore. L'administration n'est pas occupée. Pour qui ça? Parce que le système fiscal, nous, il y a une grande vitesse. C'est le même système-là qui pour grande. Bon, alors, côte en côte, grande entreprise et petite entreprise. Ou pas un système qui permettre que petite et moyenne entreprise fait dans l'économie. Alors que majorité gros pays, pour un bail qui est très simple, post-Covid, nous prenons compte que majorité pays développés créent une multitude d'emplois. Pour nous apprendre la guerre, il y a un problème. Mais après Covid, un paquet d'emplois créés, comme si il y a presque un sur-emploi. Pour qui ça? C'est que Covid fait que Vingon est pas renforcé. On n'y a pas voyagé encore, il n'y a pas qu'à sortir encore, donc on n'est pas renforcé que fait pendant Covid là. Donc fiscalité a fait en sorte que post Covid, il a créé des niches fiscales pour des entreprises financières, il a même allé sur des niches fiscales là pour y aller prendre, parce que en même temps ça crée c'est que
banque yo même bail, ça veut dire que taux d'intérêt sous compte dépense yo vinn très bas tout, c'est tout parce que on regarde. Donc la meilleure façon pour moi on tient par rien, c'est que gon entreprise qui spécialisée et qui voulait bénéficier de niche fiscale, li vinn prend corps moyen et puis là l'investir dans PME ou bien le faire investir dans PME. Donc sous pas un système fiscal qui ca justement bénéficier de bail ça yo, on pas créer hors économie pas non, c'est pas seulement gros pays, c'est les petites et moyennes entreprises qui moteur développement économique. Ça veut dire faut qu'on gain de multitude de petites et moyennes entreprises qui a travaillé en sous-traitance pour apporter des gros. Parce que c'est eux qui a créé des multiplicités d'emplois. Donc si mais pour gain ça, faut gain fiscalité là. Matin justement, je dis Abdi, pas gagner définition légale. Nous pas grand définition ni légale ni commune, ça me les définitions communautaires de petite et moyenne entreprise. Par aucun côté défini petite et moyenne entreprise pour qu'on qui ça toi petite et moyenne entreprise. Définition ça veut dire dans pays de côté défini, bon, nous prenons l'Europe puisque c'est sous la nous chita, c'est européen nous c'est que yo dit faut gagner un chiffre d'affaires de tant millions d'euros et tant d'emplois. Nous-mêmes, m'a ba nous seule référence légale pour petite et moyenne entreprise en Haïti. Loi sur impôt sur revenu dit il crée trois classes d'impôt. Il dit de 0 à 2 500 000 goudes ou un régime simplifié. Donc ça fait un régime de 2 500 000 goudes jusqu'à 25 millions, quoi, je dis à 15 millions ou d'un bénéfice réel, sauf qu'on peut obliger un bilan audité. Et à partir de 15 millions, bilan fait pour auditer. Donc, ça t'avait dit qui ça, si je vais interpréter. Donc, système fiscal a considéré que toute entreprise qui a plus que 15 millions de chiffre d'affaires, c'est grande entreprise. Toute entreprise qui a 2 500 000 et 15 millions, c'est moyenne entreprise. Toute entreprise qui a 0 et 2 500 000 gouttes, c'est petite et moyenne entreprise. Alors, vous imaginez, nous, et qui ça veut dire? Parce que l'ordre d'une entreprise 15 millions de goudes, et vous considérez comme grande entreprise, ça veut dire, je ne pas croire que à 15 millions de goudes de chiffre d'affaires, au cas payé audit là. Parce que son audit, tout le monde, un audit externe, il ne va pas payer. Donc, c'est des minimums pour commencer, ça veut dire. C'est des réflexions pour faire qui s'enrait une petite entreprise. Et il faut un système fiscal qui promouvoit justement la création de petites entreprises, qui pourra le faire mettre que où l'agir économique à la base, et à ce moment-là, on va générer plus de revenus. Ce n'est pas créer plus de taxes, c'est faire en sorte que le système fait que on atteigne la base. Là. Parce que sous un système fiscal à niveau qui permet que on baille avantages fiscaux pour créer des petites entreprises, comme je dis, la plus facile pour mobiliser pour vers ça. Et deuxièmement, même les gens qui sont informés, ils ne peuvent pas rentrer dans le système là parce qu'ils ont besoin de bénéficier de ça. Et puis, ça n'a pas les matins, il faut effectivement tout que réformer les procédures. Il faut qu'un système fiscal qui est efficient, qui est efficace. Il faut qu'une administration fiscale qui est capable d'implémenter le système là. Il faut qu'il y ait des procédures qui font en sorte que on pas obligé de payer en nègre. Pour me faire payer une taxe qui n'est pas correcte, et puis demain matin, l'administration descend sous moi, le fun pour me mettre sur là encore. Donc, c'est tout effort ça yo qui est supposé fait pour nous arriver à un système. Alors, on va le finir. Ça, c'est nous peut-être qu'on histoire ça. C'est à Mazarin et Colbert qui a dit, monsieur, nous avons besoin de quoi, mais quand on va le prendre là, nous finissons faire tout ça en café. Mazarin dit, monsieur, et puis monsieur dit, les riches, Mazarin dit, monsieur, les riches, nous ne pouvons pas taxer les riches, c'est eux qui ont pris l'emploi. Les pauvres, monsieur dit, bon, nous finissons pauvres déjà, pour faire manifestation. Il dit, monsieur, il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres, ni riches, des honnêtes citoyens qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres. C'est cela que nous devons taxer, encore plus. Cela, plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser. C'est un réservoir inépuisable. Et c'est d'eux, nous y a parlé, nous supposons. Alors, et papa, ça va marcher. Oh, nous avons l'autre bail qui est aussi intéressant que me. Qui en ça va marcher, hein? Non, ça ne marche pas, j'ai pressé.
batterie qui finit. Eh bien, avancez, c'est juste avant, et puis on ferme. Alors, ça, c'est juste une réflexion pour nous. Nous sommes dans 2022, et je vais lire pour nous. Alors, j'ai lu pour vous. Lutte intestine, désordre dans les finances et les douanes, gaspillage des deniers publics, contrats mis aux enchères et constituant une source de fortune scandaleuse. La rançon de tout cela a été la prise en charge de nos finances en 1915 par le gouvernement des États-Unis. Si dans le cours de notre histoire, la corruption avait pu être à des intervalles maîtrisés par les forces saines de la nation, nous constatons qu'en 1915, sa victoire était décisive. C'est que répartissant la plus grande partie des fonds publics entre les mains d'une vaste oligarchie insouciante et avide de jouissance, elle avait paralysé le développement matériel du pays. La population croissait et aucune mesure n'était prise pour organiser le travail et assurer le bien-être des foyers. Cette imprévoyance eut comme résultat l'instauration d'interminables guerres civiles qui consommèrent notre ruine et l'élargissement outre mesure du cadre des fonctionnaires chez lesquels, d'une façon générale, une tradition néfaste avait détourné le sens de l'honneur et la notion de probité. Dans ces conditions, nous soutenons que la nation eût été impuissante à puiser en elle-même les forces nécessaires pour opérer une réaction salutaire. Haïti ne pouvait donc pas échapper à un contrôle extérieur de ses finances. Ça a écrit en 1917, Villefort-Beauvoir, le contrôle financier du gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la République d'Haïti. Merci.